Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Chavadab. Comme chaque semaine, nos musiciens Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Alexandre Millet au piano, Yannick Hunier à la batterie et à la direction musicale. Et puis enfin, accueillez le maître de ballet de Chavada et notre maître à tous, Jacques Pessis. Quelle ambiance cet après-midi sur le plateau de Chavada. Nous avons réuni les stars de la télévision qui partagent avec vous le goût de la chanson et de la musique. Pierre Belmar, bonjour. Bonjour. Merci. Patrick Sébastien. Et Bruno Gassio qui signe l'adaptation d'une comédie musicale très amusante. On a vu quelques-unes des marionnettes. Ça s'appelle Avenue Q, dont Chirel tient l'un des rôles principaux. Bonjour à tous les deux et merci d'être là cet après-midi avec nous. Pierre, vous sortez un livre et un album de chansons qui s'intitule Les chansons de ma mémoire. Alors jusqu'où remonte votre mémoire ? Eh bien, jusqu'à l'âge d'environ de 7-8 ans. Avant, je n'apprenais pas de chansons. Donc, ça commence par des chansons que me chantait ma maman. Mais votre papa était chanteur, non ? Alors, lui, il était ténor. Ténor, lui, il était ténor, voilà. mais amateur. Oui. Mais c'était un vrai ténor qui avait toujours en tête les plus beaux airs d'opéra. Et il avait chanté avec Maurice Chevalier, car il s'était retrouvé prisonnier dans le même camp. Et là, il a chanté avec Maurice avant que Mistinguette ne réussisse à le faire sortir des camps et à revenir en France, qui est quand même assez étonnant. Et Mistinguette n'a fait sortir que Maurice Chevalier, pas c'est votre tout. Père. C'est bah, tout, pas ouais. mon père. Non. Par l'intermédiaire du roi Alphonse XIII, dont elle était très proche. On s'en souvient. C'est très joli. Pierre, pourquoi avoir attendu si longtemps pour chanter ? C'est assez génial de vous voir là aujourd'hui en jeune chanteur débutant. Mais oui. Non, mais c'est dû à une complicité inattendue. Je racontais des histoires sur RTL en compagnie d'un merveilleux réalisateur qui s'appelle Gaïa Beko. Et puis, comme ça, on a parlé, j'ai commencé à fredonner des trucs. Il m'a dit, mais on pourrait peut-être aller plus loin. Et puis bref, comme je sortais ma biographie, on a décidé finalement de faire un disque sur les chansons de mes souvenirs. Vous l'avez écouté, Bruno, non, Patrick, pas encore. Par contre, il me semble bien t'avoir fait faire Pavarotti. Ah oui, alors ça, c'était formidable. Ça me semble bien. Et chanter vraiment ou imiter sans la voix ? Je ne sais plus. Cortizani ! Je pourrais faire ça. Rassavilla d'Annata ! C'est extraordinaire, je découvre des choses. Merci, je découvre. C'est un disque vraiment très agréable, ce disque de Pierre Belmar. Moi, j'ai été très surprise d'entendre cette voix qui est à la fois douce, des arrangements qui sont élégants, et un disque qui s'écoute avec beaucoup de plaisir. C'est le moment là de leur faire découvrir peut-être une chanson qui résume bien d'ailleurs l'album, Trois petites notes de musique. Volontiers. C'était mon temps. C'était mon temps. Cora Vauquer d'abord. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de sel sur mille et une pelles qui ne veulent pas mourir. Qui ne veulent pas mourir. Merci Pierre, c'est un extrait de cet album Les chansons de ma mémoire. Vous étiez comme deux gosses en train de le regarder tous les deux. Forcément, c'est notre mémoire Pierre. C'est extraordinaire, votre voix. C'était une extraordinaire chanson que chantait très bien évidemment Monsieur Yves Montand,
qui fut sans doute l'un des plus grands chanteurs de son époque, ça, sans aucun doute, c'est Patrick. Bono, sur la voix. Chirel m'a dit un jour, si on sait parler, on sait chanter. Et vous avez passé votre vie à raconter des histoires. À parler, oui, ça c'est et, sûr. Ah oui, mais plus que parler, raconter des histoires. Raconter. Avec, il y a de l'intonation, il y a une voix, et votre voix est chaude et profonde. Et quand vous chantez, c'est aussi extraordinaire que quand vous parlez. Eh bien, vous êtes très gentil, merci beaucoup. Cet album, Pierre, c'est un album de chansons que vous avez choisies hein, dans le patrimoine de la chanson française. Je ne les connaissais pas toutes. Il y en a une que j'écoute depuis en boucle, que j'ai adorée, qui s'appelle « Soirée de Prince ». Et puis, il y en a une qui s'appelle « Bye Bye », écrite par l'épouse d'Edmond Rostand. Ah, par Rosemonde Gérard, absolument. Alors, Rosemonde Gérard est célèbre pour, tu sais, cette phrase que l'on voit sur les petites médailles, un peu avec « plus et moins ». Moins qu'hier. Et plus que demain. Aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que voilà, demain. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, ça, c'est... C'est Rosemonde Gérard qui avait trouvé ça, la femme d'Edmond Rostand. Il y a aussi « C'était bien » que chantait Bourvil, « Le bal perdu », on connaît plus sous le titre du bal perdu. Ça. Chirel, tu la connais cette chanson ? C'est vraiment je crois que je la connais très pas. Ancien. Mais je serais contente tu de la découvrir. Ben, Pierre va peut-être la chanter juste pour toi. C'était tout juste après la guerre. Dans un petit bal qui avait souffert sur une piste de misère. Il y en avait deux à découvert parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue, alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Patrick, le petit bal perdu. Bah, le petit bal perdu, non, ce qui avait été formidable dans Bourville, c'est, et ça a même été étudié par des spécialistes de la voix, sa voix était touchante. On a analysé qu'une phrase dite par Bourville, si quelqu'un dit à une jeune fille, je ne sais pas, s'il te plaît, t'en vas pas, reste avec moi, ça, dit par Bourville, s'il te plaît, t'en vas pas, reste avec moi. Il y a quelque chose dans la voix qui touche beaucoup plus. Et dans ces chansons-là, dans les chansons tendres, Bourville, qui avait il a dû le dire un paquet de fois. Qui avait le côté, oh, bah, dites donc, comme ça, là-dedans, il avait une voix complètement différente. Ah oui, et tu sais le faire. Je peux le faire, ouais. Mais il faudrait que tu me la montes un petit peu, peut-être. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère. Ils étaient deux découverts. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. S'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors qu'à l'importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. C'est un autre Bourville. C'est celui qui était tellement touchant dans Le miroir à deux faces, qui est un film extraordinaire. C'est sur impressionnant. La chirurgie esthétique. En tout cas, quand on écoute là, Patrick, en fermant un peu les yeux, c'est impressionnant. Même en les ouvrant.
Brassens et Bourvil ont fini par se voir régulièrement à Crépierre et un soir, ils ont fait un match, ça pourrait être un jeu d'ailleurs que vous pourriez inventer, qu'on appellerait les incollables de la chanson. L'un a lancé une chanson, l'autre faisait les paroles et ça a duré jusqu'à 6h du matin. Ils ont fait 100 chansons, texte total sans une faute, une sorte de match nul si j'ose dire. C'est vrai que dans les imitations, c'est bon, c'est parmi en voix parlée. C'est les deux que j'adore faire. Brassens aussi. La voix parlée de Brassens, c'est très émouvante. Tu sais, il parlait un petit peu comme ça. Il avait cette voix complètement cassée qui posait, qui rassurait lui aussi. Bon, si tu veux être chroniqueur dans Shabada, moi, je t'embauche tout de suite. Je viens de te faire des voix de temps en temps. Et retrouver les 12 reprises de Monsieur Pierre Bellemare dans l'album Les chansons de ma mémoire, qui contient également un livret illustré avec des photos, le récit de l'histoire personnelle que vous entretenez, Pierre, avec chaque chanson de l'album et même un film, avec un making-of et un clip. Oui. Clip sur une chanson. Sur une chanson, oui. Laquelle ? Le petit bal perdu. Le petit bal perdu. Et puis, Pierre, vous sortez également ce livre dont on parlait tout à l'heure, Le bonheur est pour demain, Souvenirs au long cours, c'est aux éditions Flammarion. Alors, si la métamorphose de Pierre Bellemare en chanteur est une surprise, que dire de l'improbable rencontre entre Bruno Gassiot et la comédie musicale ? Bruno a été auteur des Guignols de l'info pendant des années, esprit caustique et critique par excellence. Je sais qu'Avenue Q, c'est loin d'être mièvre et ça reste des marionnettes quand même, donc tu es encore dans cet univers. Mais quand même, je ne t'imaginais pas devenir un jour une sorte de Dovatia. Alors j'attendais plutôt Kamel Wally. Oui, mais pour être très sérieux avec ces gens, je ne connaissais pas bien leur travail. Et puis en travaillant sur une comédie musicale, en travaillant sur des marionnettes, en travaillant sur des chansons, je me suis rendu compte à quel point c'est un job difficile. Il faut savoir qu'Avenue Q, quand même, aux États-Unis, a déjà séduit plus de 10 millions de spectateurs, ouais. A récolté dans le 3 monde entier, ouais. Tony Awards pour le meilleur spectacle musical, ouais, sur Broadway. Ouais, même ce que le Roi Lion n'a pas eu, d'ailleurs. Ouais. Non, mais j'espère, là, ça, c'est à Broadway. J'espère qu'à Paris, ce sera. Tu en as fait l'adaptation française. Chirel a collaboré un peu avec les chansons, avec les mélodies. Ouais. Beaucoup, énormément, Chirel. Tu peux nous faire le pitch de l'histoire ? Ça parle des trucs de la vie de tous les jours, de tout le monde, des gens qui sont un petit peu, pardon, mais dans la merde, de la crise, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ne trouvent pas le sens de leur vie, qui ne trouvent pas l'amour, qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi cette avenue Q ? Avenue Q, en fait, c'est le contraire de l'avenue A, c'est l'avenue pourrie. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être dans la A parce que ouais, voilà, c'est trop cher. Le truc, c'est l'avenue A. Sur Alphabet City, c'est là où il y a les riches. Et là, plus on descend, quand on arrive à l'avenue Q, c'est vraiment on n'a rien. On ne retirera jamais nos 3 Q. Non, ça. Oh oui, oh oui, oh oui. Saccage-moi le 3. Chirel, pendant que tu chantes et que tu joues la comédie, tu manipules en même temps ta marionnette. Énorme. Ça doit être quand même assez compliqué, ça. Ah oui, au début, on comprend pas parce que ça doit être le prolongement de son bras. Donc tout ce qu'on fait, elle doit faire en même temps, et puis après, ça doit être elle qui emporte. Fais voir si elle me répondait à ta place, là. Ah, d'accord. Alors, tournez-vous pour pas que vous voyez. Ça y est, je suis prête. Bonjour, Kate. Je m'appelle Kate Monster, et je suis un monstre, comme vous voyez. Mais j'habite sur l'avenue Q avec tous mes amis, et je suis, en fait, un petit monstre qui cherche un petit peu le sens de sa vie, mais je sais ce que c'est de trouver l'âme sœur. C'est très impressionnant parce que là j'ai une autre question à poser, je sais pas qui je dois regarder. On en parlait avec Bruno dans le spectacle, c'est que ce qui est fascinant, c'est que tu oublies complètement les gens qui sont derrière, tu ne t'arrêtes qu'aux marionnettes. En fait, c'est ça le truc assez spécial. Ouh, le truc assez spécial. Le truc assez spécial, c'est qu'on doit me regarder moi, pas elle, moi. Voilà. Garcimore, sors de ce corps. Chirel, tu vas nous interpréter aujourd'hui dans Shabada un medley de Avenue Q avec toute la troupe qui est là et qui va venir te rejoindre. Voilà, t'es au fond du trou et tu y es jusqu'au cou. Ah oui, ça oui. Je sais peut-être que j'ai tort, mais plus t'en baffes, plus j'adore. Tu adores. Niki, c'est la nature humaine, même si c'est dégueulasse, c'est Schadenfreude. Bien content de ne pas être à ta place. Le soleil brille, c'est une belle journée. En famille, on voudrait en profiter, mais y a les factures à payer. Faut travailler.
ça craint d'être moi. Non, ça craint d'être moi. Ça craint d'être moi. Est-ce qu'une seule personne ici a une vie qui ne craint pas? Ça craint d'être moi. Il n'y a presque rien entre aimer et perdre son temps. Tu peux te lâcher autant que tu veux quand tu t'envoies en l'air. Tu dois te lâcher autant que tu veux quand tu t'envoies en l'air. Le plus tu n'aimes quelqu'un, le plus tu veux le crever. Le plus tu n'aimes quelqu'un, le plus fais toi pleurer. Moi je peux te faire du bien, te faire grimper au rideau. C'est décidé, je vais tout bouffer. Trouver mon but, le moteur de ma vie. Pour trouver son but, il n'est jamais trop tard. Oui, il va trouver son but. Oh, 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 je vais bientôt. Il va trouver son but. Mon but. Oui, il va trouver son but. Yeah, yeah. Je vais bientôt trouver son but. T'inquiète, t'en fais pas. On vit sur l'avenue Q. On vit sur l'avenue Q. Bienvenue sur l'avenue Q. Avenue Q. Merci à toute la troupe qui a présenté aujourd'hui ce spectacle pour la première fois en exclusivité dans Chabada à la télévision. Merci à vous de nous l'avoir offert. Avenue Q, c'est sur la scène de Gobineau à partir du 7 février. Chirelle revient avec nous et c'est une mise en scène de Dominique Guillot, texte adapté par Bruno Gassiot, avec Chirelle, Gaëtan Borg, Emmanuel Suarez, Prisca Desmarais entre autres, en tout cas une troupe de comédiens bourrés de talent. 11 comédiens sur scène et autant de marionnettes. C'est à partir du 7 février, donc à Bobineau. Ça vous a plu, Pierre, Patrick? Ah oui, moi j'adore, moi. Ouais. Formidable. Formidable. Mmh. C'est génial. Mais ça, je l'ai écrit. T'as ça, déjà entendu ça? Je l'ai écrit, ça. Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est génial. En tout cas, Patrick, ça fait longtemps que je te harcèle pour venir dans un Chabada. Mais tu n'avais pas besoin de me harceler. J'adore, je regarde souvent. Je salue ma tante qui est en train de regarder. Il y a une chanson que tu as toujours eu envie de chanter. Il y avait des empêchements, tu ne pouvais pas venir, etc. Mais c'était La Demoiselle du Déshonneur. Ah, c'est une, ouais, je connais bien. C'est une très belle chanson de Claude Lemel, oui, que chantait Dassin. Et je trouvais l'écriture de cette chanson tellement belle. Carlos l'avait reprise aussi. Oui, Carlos Reggiani. Et c'est une histoire vraie. Reggiani aussi l'a chantée. Oui, c'est une chanson qui date de 69. Je ne l'invente c'est pas. Notre première, tu sais, c'est notre première femme, la première qui nous fait passer le pas. Et en l'occurrence, avec Dassin, c'était. Et un jour, Claude Lemel se retrouve rue Saint-Denis, mais pour se promener comme ça. Et il voit devant une église deux prostituées qui faisaient le tapin. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de la chanson. La première phrase qui est magnifique. Oui. Qu'est-ce que c'est la première phrase? Je sais pas, tu veux que je te la chante? Ah, bah avec plaisir, ah oui, vas-y. Juste la première phrase. Hein. Non, bah tout. Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.
C'est un petit bout parce que la chanson est tellement belle. Parmi tes idoles, Patrick, il y a aussi Jean Ferrat, bien sûr. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de gens que j'ai aimé passionnément. Sur la montagne. Non, j'ai pas écrit un texte. Si, dans le tour de chant que je fais actuellement sur scène, je fais la montagne et j'en profite pour faire plein de voix à l'intérieur. C'est une chanson qui est très pratique. Tu nous en fais quelques-unes, quoi. J'ai pris un papier. Allez, parce qu'il faut que je me rappelle. Il faut que je me rappelle, parce que c'est une machine. Alors, je vais te faire un peu de Ferrat. Je vais faire Aznavour, Brel, Beco, Brassens, Renaud, Lama, Nougaro, Cabrel, Dassin, Lenormand, Gainsbourg. Ça devrait. On va essayer. Il quitte le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ce secret du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caillou, le père trop. Et manger la tome de chèvre. Vous pouvez chanter avec moi. Pourtant que la montagne est belle. On vient dans la ferra à chaque refrain. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que le tonne vient d'arriver. On va commencer par Brassens. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien noueuse comme à pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que le tonne vient d'arriver. De chèvres, puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles dans le train des repas, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime, rentrer dans son HLM, manger du poulet, sa main en tient. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Je m'amuse bien à faire ça. C'est bravo, hein, Patrick. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Et c'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui ne me connaissent pas trop comme ça, mais c'est mon métier premier, l'imitation. Et là, je suis parti avec une tournée qui s'appelle Imitation et Confidence. Je vais pas se rire, je les promène, tous ces gens-là, pendant le spectacle. Puis je sais en faire à peu près, pas 300, mais j'en choisis 60. Et surtout, j'essaie de ressembler physiquement aux gens. Ça, et à chaque fois, c'est vraiment étonnant, la ressemblance même physique. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Toutes les mimiques, c'est formidable. J'ai même fait Pierre Belmar. Ah oui, une fois, oui. Avec une jeune fille sous la table. Oui. C'était extraordinaire. C'était magnifique, c'était extraordinaire. C'était absolument formidable. Et c'est une imitation, Gérald fait magnifiquement bien aussi. Mais en ce moment, je ne te fais pas sur scène, mais je vais te rentrer dans mon tour de chant. Je vais te rentrer. Puis j'en ai fait des petits nouveaux, j'en ai rajouté des mecs dans l'actualité. Je fais Apathy, je fais Poule. Apathy, ça fait quoi? Mais toi qui aimes bien les tontons flingueurs, justement. La politique française, c'est du sérieux, mes enfants. La politique française, c'est du sérieux. Au point que depuis quelques temps, les acteurs de la politique française se prennent de plus en plus pour des acteurs de cinéma. C'est les tontons flingueurs. Par exemple, Martine Aubry, c'est Lino Ventura dans les tontons flingueurs. Écoute-moi bien, c'est Yolène.
La dame des 35 heures a dû savoir vivre, mais là, tu commences à me les briser. Menu, voilà, tu connais ça par cœur. Et je m'amuse à en faire plein comme ça. Mélenchon, quand on lui parle de Sarkozy, c'est blié, toi qui adore les tontons flingueurs. Comment je vais le renvoyer au terminus du prétentieux, le gugus de l'Elysée? Parce que moi, quand on m'en fait trop, je discute plus, je disperse, je ventile. On va le retrouver aux quatre coins de Paris, parsemé, façon puce. Il va falloir le recomposer au ramasse-miettes, le nain de jardin. Voilà, c'est... etc, etc. Le spectacle de Patrick s'appelle Imitation et Confidence. Et Patrick est en tournée dans toute la France. Il sort aussi un album, Faut qu'on se lâche. Ah ben ça, c'est tous les ans où je sors un album de chansons pour faire la fête. Dans un choix de chansons réarrangé. Dans les mariages, dans les communions. Ouais. On va y revenir. Dans les universités. Dans les facs aussi. Dans les facs, j'ai vu ça. Dans les facs. Parce qu'il y a tous les mômes de 20 ans qui aiment bien mes chansons. J'étais très surpris qu'ils aiment bien mes chansons. Mais en fait, ils s'en foutent. Ils ont bien raison. Ils en bossent tellement qu'on a envie de faire péter le. De faire la fête. On va faire la fête tout à l'heure sur le plateau de Chabada. Mais d'abord, on va évoquer quelqu'un dont parlait Pierre Bellemare tout à l'heure. On célèbre cette année les 40 ans de la disparition de ce grand artiste français qui était Maurice Chevalier, l'un des rares d'ailleurs à avoir connu une carrière des deux côtés de l'Atlantique. Et pour évoquer son talent, merci d'accueillir Nathalie Lhermitte. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie, qui sait que dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Jamais. Alors Maurice Chevalier mérite non pas un coup de chapeau, mais un coup de canotier. Il a une carrière extraordinaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, quand on parle de lui, il est aussi célèbre que la Tour Eiffel et il est le symbole de Paris. Il est né en 1888 à Ménilmontant. Et il est célèbre à 18 ans et à 22 ans, il crée une opérette Dédé d'Albert Wilmels dans laquelle il y a une voile. Eh oui. Oui, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Exactement, une expression populaire moi, aujourd'hui. Moi, je ne m'en fais pas. C'était génial, on va la chanter ensemble, ça. Alors. Oui. Ah bah oui, toutes les deux. Nathalie et Chirelle, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. C'est parti, sympa. Super. En sortant des 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit. Je vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau. Enfin des morts bien naturelles. Mais voulant finir en gaieté, je me suis tuée à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Ça c'est sûr. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Non, je m'en C'est génial, ça. Ce qui est quand même dingue, cette chanson date de quand ? 1923. 1923 et tout le monde chante là encore aujourd'hui, c'est incroyable. Je m'étonne, je connais des chansons de 1923. Bah oui. Non mais c'est là par exemple, je suis a priori pas fait pour venir dans cette émission, mais je passe un excellent moment. Parce que mais c'est vrai, c'est un moment de... à la fois de souvenir, c'est tranquille. Tu as dû avoir tes grands-parents qui chantait ces chansons-là, ça t'a bercé quand t'étais tout petit. Il y a ça, et puis il y a la radio, d'abord je suis pas si jeune que ça, et puis il y a la radio, et cette espèce de culture dont on ne sait pas pourquoi on la possède. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en nous? Pourquoi c'est dans nos ADN? Ça j'en sais rien, mais par contre c'est là. Et c'est vrai que le défendre, ou s'en souvenir, ou continuer à en parler, c'est bien. Merci d'être là. Et dans 60 ans, il y a un mec qui va venir s'asseoir ici et qui dira dans mon ADN, il y a les guignols. Et alors, à cette époque-là, il y a une chanson très célèbre que tout le monde connaît aujourd'hui également, que les Anglais appellent Valentine et qui en français, c'est Valentine. On va tous la chanter ensemble. On continue. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir. Pour la vie, un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on s'est plu de plus en plus. Et je lui demandais son nom, elle me dit Valentine, et comme elle prenait chaque jour la rue Pistine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Oh, elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Valentine. Avec de tout petits tétons.
je t'avais un bâton. La bonne antenne, elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits petons, son petit téton, son petit menton, elle avait pris comme un mouton. En fait, ça fait tellement partie du patrimoine culturel français que je l'ai en tête, cette voilà. chanson, qu'elle n'était jamais ressortie depuis des années, je préfère vous le dire. De Chevalier, tu dois en avoir plein d'autres aussi. Ah oui, mais là, je m'en rendais pas Asper, compte. Asper, tout ça. Asper, hop, la boum. C'est le roi du macadam. Et alors ça, si c'est pas d'actualité. Franchement, c'est le roi du macadam. N'oublions pas que Charles Trenet a écrit pour lui également. Oui, il m'entend. Il y a de la joie, première chanson. Alors Prosper, youp, la boum, c'est le roi du macadam, c'est aussi le chéri de ces dames, c'est une chanson de 1937, regardez ces images. Je suis retourné sur la scène du Casino de Paris pour refaire mon vrai métier qui est tout de même de chanter. En somme c'est leur manager, youp, la boum, Prosper, le roi du macadam. Quand une femme s'est fait poisser par les roussins du quartier, il allait se tomber. S'en va carrément faire son réassortiment dans l'arrondissement. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la sam, sam, sam. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles. Il y a de la joie partout, il y a de la sam, sam, sam. Ces images sont issues du DVD Maurice Chevalier, Le cœur qui chante, aux éditions LCJ et INA. Et puis, il y a deux livres qui viennent de sortir. Le premier s'appelle Le chéri de ces dames. Si vous voulez en savoir plus sur l'incroyable roman de la vie de Maurice Chevalier, il est signé Bernard Longeon et c'est aux éditions du Moment. Et puis, le second, celui écrit par... dirigé par Jacques Pessis, dans La vie, faut pas s'en faire. C'est une synthèse des mémoires de Maurice Chevalier et c'est aux éditions Omnibus. Merci à Nathalie Lhermitte pour ce joli moment qu'elle vient de nous faire passer. Chirelle, alors toi, tes réminiscences comme ça d'enfance, c'est évidemment pas Maurice Chevalier, plutôt Mike Brandt. Mike Brandt, Joe Dassin, tout ça. Moi, j'ai grandi avec ça aussi grâce à ma mère et Jean Renard. Jim Manson. Jean Renard, oui, voilà, Jim Manson. Et Jean Renard qui a écrit les chansons de Mike Brandt et de ma mère. Donc, il y a beaucoup de réminiscences. Quand j'écoute les chansons de Mike Brandt. Et, donc, et pour évoquer Mike Brandt, tu as choisi d'abord de chanter un extrait de Feelings. Et Feelings, oui. C'est une chanson de Loulou Gastet, le mari de Lynn Renault. Oui. Et Lynn Renault, justement, qui avait commencé à chanter à 5 ans sur les tables du bistrot de ses parents en chantant Prosper, youp, la boum. Ah bon ? Comme quoi, hein, tout se tient. On t'écoute un extrait de Feelings ? Plaisir. Enfin, de Dis-lui. De Dis-lui, oui. Dis-lui. Fais ça pour moi, dis-lui que le jour sans lui me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'il avait raison. M'empêcher de le faire en anglais aussi. Et l'anecdote, c'est que il connaissait pas du tout le français quand il a appris. Non, pas du tout, et comme ma mère d'ailleurs, ma mère est arrivée en 76, elle savait pas dire phonétique. Un mot et elle a fait Faisons l'amour et lui a fait tous ces chants en phonétique.
devant le micro, il ne savait pas ce qu'il racontait. J'ai c'est vu quand même extraordinaire. Dans le bureau de Jacques Maroani, je me rappelle. Ah, première oui. fois, ah, première oui. fois où je l'ai vu. Et d'avoir écouté le grand disque Faisons l'amour avant de nous dire adieu, qui était un très très gros disque comme ça, et d'avoir un jugement d'une infinie perspicacité en disant ça ne marchera jamais. Chirel, tu as choisi une autre chanson oui. beaucoup moins connue de My Grant, parce que je n'aime plus que moi. Je t'aime plus je que t'aime moi. Je t'aime plus que moi. J'adore. Je la connais pas. Ah bah, c'est incroyable. C'est la phase B de Laisse-moi t'aimer, donc personne ne la connaît car on connaît l'autre chanson. J'ai dans la tête le bruit de ton pas qui s'arrête. Alors je cours à la fenêtre, pensant que tu reviens déjà. Et je frissonne, dans la rue je ne vois personne. Pourtant tout ce bruit qui résonne, ce n'est que mon cœur qui bat. Parce que je t'aime plus que moi. J'adore. Merci Chirel. Tu connaissais pas cette chanson, mais tu es. Tu parlais à tout le monde. Hein. Ouais. C'est la voix de Chirel, ouais. C'est quelque chose. Hein. Quand je pense qu'elle ne voulait pas jouer à Avenue Q. Ah ouais. Elle voulait pas. Elle disait non, je veux bien faire les chansons, mais je veux pas jouer. Mais si tu avais pas chanté, mais jamais je l'aurais fait. Et il y a aussi, en plus, tu sais qu'il va avoir pour les sourds et malentendants, il va avoir une personne. C'est-à-dire, moi, je fais la marionnette, mais en fait, il va avoir une personne. Je suis trop habituée. Qui va traduire. Oui, je suis tellement malade. Il va avoir une personne qui va faire les pour le langage sourds et malentendants. Sourds et malentendants. Oui. T'as pas pu s'empêcher de me dire une ânerie. Dis comment on traduit Lucie la salope. Ah oui, Lucie. Bah, il y a quelque chose. Le langage des signes, il faut m'expliquer. Voilà. Bon, comme l'humeur est agréable sur ce plateau, c'est le moment d'accueillir Alexandra Baldé, compte tenu donc de cette bonne ambiance qui règne. Alexandra est cet après-midi en mode coup de cœur. Alexandra Baldé. Bonjour Alexandra. Alors, coup de cœur pour quoi cette semaine ? Eh bien, mon coup de cœur cette semaine, c'est Thierry Stemmler. Alors, au grand désespoir de Françoise Hardy, qui ne comprend toujours pas pourquoi cet artiste n'a toujours pas percé, eh bien, je sens que le vent va tourner, car il nous délivre un quatrième album phénoménal. Alors, Thierry Stemmler, c'est un trentenaire mélodiste qui a cette particularité de raconter des choses très ordinaires, mais il arrive toujours à transformer ses histoires banales en des aventures héroïques. Et puis là, dans cet album Rio qu'il a donc créé au Brésil, eh bien, il ne nous ramène pas cette bossa nova éternelle de carte postale, mais un style avec un mélange créatif exceptionnel. Je vous propose de vous regarder connaissez, tout non de suite. Vous dit quelque chose, Thierry Stemmler ? Non. Alors, on découvre le clip. Voilà, on va regarder. Alors, le clip, un extrait du clip. Pourquoi pas regarder ? L'été bien avancé, quand une lueur apparaît, un espoir presque oublié, soudain l'amour revient te dire bonjour. Cette fille-là est sur mon comptoir, te rendra heureux si tu l'aimes. Elle t'aimera si tu y crois, et de bonheur tu la couvriras. Et pourquoi pas.
Voilà, Thierry Stemmler, et pourquoi pas, qui est extrait de l'album Rio, qui est déjà dans les bacs. Merci Alexandra, ça vous a plu? Ouais, sympa, c'est agréable. En attendant le clip de Pierre Bellemare, et pourquoi pas le Zénith d'ailleurs, un oui, Zénith oui, un jour. Stade de France, Stade de France. Le Stade de France. Oui, je pense c'est... que le Stade de France, je crois que tu peux le faire. Qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Patrick, tu sors toi aussi un album, donc on le disait, il faut qu'on se lâche, des tubes réorchestrés, réarrangés. Il y a plein de chansons originales. Il y en a une qui s'appelle Comment ça va, qui était un titre des Shorts dans les années 80, 83, qui a beaucoup marché. Comment ça va, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais le titre était en anglais, donc j'ai mis des paroles en français pour expliquer qu'avec un tout petit peu plus d'amour, ça va toujours mieux. Et ça donnerait quoi ça, Comment ça va? Tu veux nous la chanter? Ah ouais, mais si je la chante, attends, si je la chante, c'est... Il y a des conditions quand même. Parce que les chansons, c'est ça. C'est que Bruno Gassion... Non, j'ai pas... voilà, Bruno Gassion non, il y a des conditions. C'est qu'il y a des danseurs, c'est qu'il y a des danseurs, c'est que les gens se lèvent, voilà, c'est qu'ils tapent dans les mains. Alors attends, tu sais ce qu'on va faire? On va se chauffer. Ouais. On va chauffer Bruno d'abord, avec le petit bonhomme en mousse. Oh non. Ne lui faites pas ça. Ne lui faites pas ça. Une séance et rate le conjoint. C'est comme la chanson. Tu vas aller faire chanter. Faites un moment. Faites juste à la... La 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 la. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça c'est passant le bonheur, c'est ça. Le petit bonhomme en mousse et faites tourner les serviettes, ça ne pose aucun problème. Ouais. C'est un problème de lieu et de circonstances. Ah ben chaque oui. fois qu'on est dans une fête, dans une soirée, ouais. ça traîne un peu, il y en a un qui envoie ça, même ironiquement. Ah on danse oui. et on le fait et on se marre. Et ça marche. Pourquoi? À tous les parce coups. Parce que c'est entraînant, c'est fait pour ça. Mais par contre, à la télé, par exemple, si ça vous fait rien, je vais vous laisser. Oui. Non, mais c'est vrai que... Non, parce que ça, ça tu dis que ça, voilà, ça dépend des circonstances. Le vrai Bruno Gassion. Mais j'ai un monsieur qui est venu me voir il y a un an au café-théâtre à côté Rocher, au Camadour, et qui me dit, écoutez, si un jour je meurs, je veux qu'on m'enterre avec le petit bonhomme en mousse. Et j'ai vu sa veuve cet été qui m'a dit, j'ai enterré mon mari, je le remercie avec le petit bonhomme en mousse. C'est la troisième personne que je connais. Le plus dur, c'est de se faire enterrer pourvu que ça dure. Mais, mais c'est un signe d'humour. Et puis en ayant travaillé 16 ans avec des marionnettes et en continuant avec Avenue Q avec des marionnettes, les petits bonhommes en mousse, moi j'aime bien. Ouais. Hein. Ouais. C'est parti d'une marionnette d'ailleurs. C'est parti de. Oui, c'est une marionnette. C'est la chanson au départ n'est pas. En fait, c'est pas moi qui ai écrit cette chanson, c'est un Espagnol qui a fait ça. Et c'est un T, c'était des lettres d'alphabet. Et cette petite marionnette, ce petit bonhomme en mousse, ouais. c'est un numéro qui est passé au cabaret. Avec magnifique ce numéro, je crois qu'il était là. Puis avec une marionnette, mais c'était formidable. Et il y avait un mec avec une guitare et avec un kazoo qui faisait ta 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 ta. Et en sortant, j'ai vu tout le monde qui chantait ça. Je me suis dit, faut que je fasse des paroles dessus. Et les paroles, c'est l'histoire de ce petit bonhomme que moi, je me repasse de temps en temps quand j'ai des gros soucis pour me rappeler que j'ai été petit. Parce que les paroles de la chanson, c'est ça. C'est pas si innocent que ça. C'est quand on a des gros emmerdements dans nos vies d'adultes. La chanson douce que me chantait ma maman le soir. Repensons aux chansons que nous chantait notre maman et repartons dans l'enfance. Voilà. On croit aussi... que c'est une grosse ânerie et monsieur mais est tu sais... Non, non, c'est pas ça. Ils sont amusés un soir dans une émission de, je crois que c'est avec Lopez, à dire à Richard Berry, pour faire marrer tout le monde, tiens, toi tu es comédien, tu vas nous lire le petit bonhomme en mousse. Ça a plombé l'ambiance, parce que tout le monde s'attendait. Et c'est vrai que les paroles mises à plat, c'est rappelle-toi ta maman le soir, il y en a pas eu qui pleuraient parce qu'ils n'ont plus leur maman déjà, tu vois. Mais c'est très marrant, ouais. mais c'est pas de la philosophie. Il n'y a pas de message. Enfin si, c'est toujours le même. Comme me disait ma maman, si on savait le temps qui reste, on profiterait 10 fois plus du temps qui passe. C'est que ça, n'est-ce pas mon cher Pierre? D'ailleurs, on en a bien profité. La dernière phrase d'Avenue Q que Bruno a écrite, c'est... Il faut aimer sa vie parce qu'elle ne dure pas. Eh ben voilà. Exactement. Elle est chantée, donc elle est plus jolie quand elle est chantée. Tu sais, moi, ce message... Car elle ne dure pas. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de faire passer ce message-là. Chaque fois que quelqu'un le fait passer, ce message-là, c'est le plus beau. Allez voir Avenue Q, mes enfants, vous allez vous éclater. Voilà, Bobino, à partir du 7 février. Patrick, je te laisse rejoindre la scène de Shabada où t'attendent maintenant tes danseurs. Enfin, presque, ils sont là, ils sont prêts. Ouais. Comment ça va? Comment version ça va 2011. On y va? Allez. Allez. Merci pour la bonne humeur mise sur ce plateau cet après-midi par Patrick. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça.
avec un petit peu plus d'amour. Ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour. Ça ira mieux, ça va toujours. Sors par la fenêtre, va danser le soir. Mets ton cœur en fête, commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y'a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Allez, on y va! Comment ça va? Comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Yeah. Comment ça va? Comme si, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Et ne t'épuise pas à chercher trop loin. Le bonheur est là, à portée de ta main. Regarde mieux autour de toi, y'a tant de gens qui te ressemblent. Un plus un, ça fait toi. On va y arriver ensemble. Je suis docteur en bonne humeur. Une chanson, ça sert à ça. Je vais te réparer le cœur si tu viens chanter avec moi. Hey, hey! Wow, wow. De l'album de Patrick. Faut qu'on se lâche. Merci pour cette ambiance que tu viens de mettre sur le plateau de Shabada. Merci à tes danseuses et merci à la troupe d'Avenue Q qui sont venues apprendre la chorégraphie de Patrick Sébastien en improvisation totale. C'est vraiment... Alors là, on a fait beaucoup de rencontres. Hein. Dans Shabada, beaucoup d'artistes se sont rencontrés. Ça a donné même des albums. C'est mais ça qui est là, intéressant. Le mariage de la carpe et du lapin là, d'aujourd'hui, je ne m'y attendais pas c'est du pas tout. C'est pas la carpe et le lapin. C'est le but du spectacle d'Avenue Q, comme mes chansons, etc. C'est de faire plaisir aux gens, de les rendre heureux. Ah oui. Et je sais c'est que c'est réussi. C'est un spectacle jubilatoire. Voilà. Voilà. On a mal aux joues tellement on a rigolé. Ouais, c'est jubilatoire. Merci beaucoup, merci à tous. Je rappelle deux albums à découvrir. Celui de Pierre Belmar. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui dans Shabada, Pierre. Les chansons de ma mémoire, celui de Patrick Sébastien, faut qu'on se lâche, et puis le spectacle musical, donc Avenue Q, qui commence mardi prochain à Bobino, à Paris. Rendez-vous évidemment dimanche prochain pour un nouveau Shabada. Et dans un instant, une autre star de télé qui chante presque aussi bien que vous, allez. C'est Julien Lepers, bien entendu. Bonne fin de journée à vous. On se retrouve donc dimanche, et d'ici là, chantez, ça fait toujours du bien.